Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour un nouveau live, on est parti sur de F1. Donc on fera pas de mode pack ce matin, parce que voilà, on est dimanche, et puis, j'ai vu il y a des trucs aujourd'hui, voilà. Hein. Du coup tantôt, bah pas de stream, logiquement. Après, normalement c'est bon. Peut-être Rocket League, peut-être, je sais pas encore. Vu que le rugby ça... Attendez, la prochaine là. Vu que le rugby c'est à 4h, donc l'équipe de France, donc du coup on croit à 3h30. Mais à 1h il y a le PSG, donc c'est à dire qu'en gros on compte, il y aura peut-être un live d'une heure, donc peut-être sur Fortnite. Donc voilà, donc du coup on verra bien, et puis voilà. Attendez, hop, on va mettre ça. On appuie sur la touche. Car on veut jouer bien sûr. Attendez, est-ce que Turc est là? Non. Bon. Donc ouais, donc du coup F1. Donc on est parti sur du F1. Fortnite Ranked, bon on verra quand on verra. Hein, voilà. Et puis on verra bien. Voilà. Là on va faire F1 World. Alors je sais pas si ça va être bien. Hein. Je pense que oui. Hein. Pour l'instant, hier on s'est bien amusé. Donc voilà. Les Tigo, comme on dit, hein. Oh merde. Non, c'est pas point de rupture, c'est F1 World, c'est ça qu'il m'a dit hier. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est le garage, je crois. Ouais. Du coup. Donc ça c'est nouveau, c'est ce que j'ai mis. Peut-être tirer la musique moi, j'aurai des soucis sinon, attendez. Papapam, piquez pas capable. Paramètres. C'est quoi ça? C'est où l'audio là-dedans? Voilà, ça prend des gros problèmes. Là, on va faire comme ça. Voilà, hop. Hop. Lucky, 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 lucky. Donc là on va faire les F1 World, je pense que ça doit être ça. Après je sais pas. Alors je sais pas jouer hein, bien sûr, je débute hein. Ma voiture elle est vraiment basse, 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 hein. Alors F1 World. Il m'a dit quoi hier déjà? Il faut que j'augmente mon truc. Qu'est-ce que c'est F1 World? Donc ça je peux pas terminer la série. Bienvenue dans F1 World. La série F1 World. Multijoueur classé. Grand Prix. Ah bon, il est Grand Prix aussi. Putain mon dieu. Contre la montre. Qu'est-ce que F1? Attends. Ça non? Non, ça c'est un détecticiel peut-être, je vois. Ça du coup? Ah oui. Ok. Ah, par contre, faut que je me concentre, c'est ça? Ok. Bon. Donc là, faut qu'on soit. Ah, attends, il y a 1400. Oh putain, on est de jeu. On doit faire quoi après? Sélectionner. Une course en fait. Je veux joyer. Commencer l'épreuve. C'est quoi faire? Une série d'épreuves pour vous aider à faire vos premiers pas dans F1 World. Vas-y, 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 j'ai envie de jouer, vas-y, donne. Vas-y, j'ai envie de joyer, j'ai envie de conduire des belles Formule 1.
Ah bah ouais, je vous ai dit, hein, les gens là, ils vont se ramener sur le live, ils vont dire, il fait rien en fait. Bah ouais, je débute le jeu, j'ai commencé hier, et encore, j'ai joué avec Diou. Après, peut-être qu'à 11h, j'irai sur Fortnite, j'ai envie de tester le ranked pour voir en fait. Parce que là, on fait. Bienvenue au Tower Institution. Gravé sur le trophée à l'issue de la course, mais jusqu'au fond de la grille, il y aura des duels passionnants à suivre. El Toretto, merci espagnol. Voici l'un des circuits les plus rapides du calendrier, avec 7 virages à droite et 3 à gauche. Oh non, Le Dieu. virage 2 n'en est pas véritablement un, puisque les pilotes peuvent le passer à fond en remontant à gauche vers la zone de freinage du virage 3. C'est au virage 1, 3 et 4 qu'on a les meilleures chances de doubler. Les Alpes autrichiennes, nous sommes à Spielberg. Les monoplaces se positionnent sagement Spielberg, sous l'œil de l'immense taureau d'acier. L'histoire de ce circuit, on la connaît avec son rachat par Red Bull, qui l'a rebaptisé Red Bull Ring. Red Bobber. Alors attends, parce que moi je suis où moi? Dans ces histoires là. Smooth Wolfie. Vimy Joey. C'est quoi, c'est en ligne? Jacques, parlez-nous un peu de vos débuts. Quel conseil donneriez-vous Oh, à c'est quoi quelqu'un qui ça? débute dans F1 World aujourd'hui? Eh bien, ce qui est certain, Julien, c'est Oh, la qu'une voiture, elle est première stylée. épreuve aussi importante, c'est Ah, toujours intimidant. d'accord. Pour surmonter le trac, il faut croire en ses propres capacités et aux Coucou, résultats de tout le c'est travail moi. accompli. Mais le plus important, je dirais, c'est de se dire qu'on vient tenter d'essayer d'en profiter et de terminer la Stylé en course. vrai, hein. Plus facile à dire qu'à faire quand on dispute sa première grande compétition. Éviter les contacts et s'appliquer pour aller jusqu'au bout, c'est le meilleur conseil que je puisse donner. Passera pas. Merde, je comprends plus rien là. Aïe! Oh le bâtard! Putain! J'ai rien compris la fin. Il y a certains virages, j'ai du mal. Hein. Oh, ça va ce circuit-là en vrai, hein. Beau travail, tu viens d'établir le meilleur tour de la course.
doit faire quoi, Loli? Pour 300, ouais. Pas mal, pas mal, pas mal. Yes. Pas mal, pas mal, hein. Pas mal. Oui, à nous la victoire. Après une course très propre. Wouh. Incroyable. Chibidibidib. On est premier. Bon, après, je pense pas que c'était dur. Hein. L'IA. Je crois que c'est des règles. Une très belle performance et à l'arrivée, une victoire écrasante. Dites-moi, Jacques. Qu'est-ce qui, selon vous, lui a permis de décrocher ce résultat aujourd'hui? Cette victoire est le résultat d'un pilotage exemplaire et d'une confiance sans faille sur le circuit. Jacques, je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis t'as de pas mal là, le petit truc là. Et de passer devant jusqu'à ce circuit, la première place sans problème. Virage, ça va, j'ai pas trop merdé. Bon, il y a des moments aussi, mais ça va. Yes. C'est avec un large sourire que les trois premiers s'avancent vers le podium. Un résultat bien mérité pour eux aujourd'hui. Alors, en ligne, à mon avis, ça doit être quelque chose. Hein. Ça y est, déjà 10h33. Ouais, ma première coupe. Trophée. Ouais. Champagne. Champagne pour tout le monde, allez. C'est pété, mec. Pas de demandant quand même, non? C'est radin, toi. Bon, on donne du champagne, non? Attends, c'est cher, le champagne. Moi, je pense pas que c'est du champagne, parce que ça coûterait trop cher, sinon. Voilà, on a 500. Eh bien, j'ai découvert un format inédit. Pour vous aussi, c'était peut-être une nouveauté, mais ce qui est sûr, c'est qu'on sent... Bon, il est pas mal, hein? Bon, par contre, non, faut... J'aurais bien pas être vu au-dessus... Mais être vu pilote. Je sais pas si on peut. Il faut que je regarde. Chie ma chienne, là, sérieux. En vrai, F1, ça va, en vrai. Bah, du coup, et donc sur Fortnite, donc j'ai bien le skin que Didou a. Donc, ouais, on va faire du ranked. Bah, peut-être vers 11h, puisque j'ai envie de jouer à Fortnite. Donc, voilà. Cette semaine, on bombardera pour faire justement les V-Bucks pour avoir le pass. Rare, vous avez amélioré. Attends. Vous avez gagné une amélioration rare. Allez, pour l'ouvrir. Tu viens de gagner une amélioration. Les améliorations peuvent être équipées sur ta monoplace F1 World. Elles font monter ton niveau. Les améliorations s'équipent depuis le garage. Alors, équipe du petit garage. Le garage, cadeau. Garage. C'est quoi ce bloc propulseur rare? Vortex. Sponsor. Stratégie. Direction. Ce serait où? Ah, ce serait là du coup. Ce serait celui-là. Bah, ça sert à rien parce qu'on est déjà un truc unique. Donc, c'est un peu con. Hein. Ah, on peut renforcer des. Ah ouais, trop bien ça. Alors du coup on va joyer. Donc terminer la série. Alors ça maintenant c'est ça. Grande-Bretagne. Comment on fait pour changer de récompense aide? Je comprends pas.
Le multijoueur classé, c'est l'arène compétitive de F1 23, l'espace où les pilotes s'affrontent chaque semaine pour monter de division en division. Pour en savoir plus, sélectionne « Que sont les divisions ?» Comment tu fais pour changer de truc? Parce que du coup, ils me disent « Terminer la série machin. » On fait comment là? Terminer la série « Bienvenue dans F1 ». Bah, j'aimerais bien, mais... Là, je suis en Grande-Bretagne. Équilibré. 3 tours. Série. Bah, c'est ce que je viens de faire, non? C'est ça que je viens de faire. J'étais où avant? Je sais même pas. Ah si, j'étais en Espagne. Je suis con. J'étais en Espagne, donc je suis trop con. Ni, gueule. Par contre, ouais, du coup, on a les mêmes les trucs en ligne, on l'a. Ah, c'est trop bien ça, par contre. Tu peux faire des séries et tout. Tu gagnes quoi en faisant ça? Tu gagnes des points? C'est quoi? Enfin, je demande à Turc. Ça doit être pas mal ça, en faisant les tours des machins. Alors là, c'est quoi comme circuit? Attention. Nous avons une épreuve de British Grand Prix aujourd'hui. Alors bienvenue à toutes et tous. Préparez-vous à encourager vos pilotes. Oh la grande roue! Oh putain! 22 degrés, temps dégagé. Avec des possibilités de dépassement sur les lignes droites de Wellington et de Hangar, le circuit de Silverstone offre des duels rapprochés tout au long de ses 5,7 km. Avec 18 virages et une vitesse moyenne de 230 km/h, il s'agit également de l'un des circuits les plus longs et les plus rapides du calendrier. C'est l'un des circuits les plus emblématiques de la Formule 1. Il a accueilli la toute première épreuve du championnat du monde en 1950 et c'est un de mes circuits préférés. Mais que pensent les pilotes de Silverstone? Tout d'abord, il faut savoir que les possibilités de dépassement sont nombreuses ici. Donc un départ en fond de grille n'est jamais dramatique. La carrière, ça doit être un truc de fou, en vrai. Non, une heure, donc du coup, faut que je sois à manger, sachant que j'ai pas, comme un gogo, j'ai pas fait... Bah, j'ai mis Jacques, je voulais vous demander, quand on... Je veux jouer, ta gueule. Non, je peux pas chier toi. Mais je suis en ligne ou quoi là? Bon, c'est pas peut-être pour ego ce que je fais, c'est pas grave. Ah, il casse les couilles lui.
copain ailleurs. C'est pas mal, hein. C'est une tale de cul. Non, non, non. Bordel. Le DRS est maintenant disponible. Là, tu me colles au cul, hein, l'enculé. Hein. Ah non, il y a quand même deux drones, hein. Ah, au début c'était pas tort, hein. Putain, mon début. Ça passe, ça passe, ça passe. Un petit peu sur l'obstin, du virage à gauche, à droite, c'est chaud patate. Hein. Bon, les 4 secondes d'avance, let's go! Ça rigole plus là! Ouais! Ah bah, c'est bon! En tout cas, c'était pas une belle victoire. Bah, il dit finir la course, donc bah, même si j'ai raté dernier, bon, j'aurais fini la course. Oh putain, let's go. Bah, par contre, mais c'est pas mal, non? On est bien, non? Bah, 35, c'est bien pour cette machine-là. Salut la belle prestation des pilotes qui ont réussi à grimper sur le podium. Ils sont tous en jaune, les Pikachu. Le Pikachu. A votre avis, Jacques, qu'est-ce qui lui a permis de prendre le dessus sur les autres aujourd'hui? Je sais pas si c'est bien une 35 pour ce machin. La stratégie était parfaitement adaptée aux conditions du circuit. Matlou, s'il veut. Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il fallait. Et le il a pilote. Suivi le plan à la perfection. Ouais, un polo, exemple brillant qui montre bien bon, après, bon, que la F1 est un sport d'équipe. On n'a pas d'usure de pneus, on n'a pas de machin, on n'a pas de... Voilà. Voici le vainqueur du Grand Prix et ses deux dauphins qui rejoignent le podium. Ces trois-là ont signé une très belle performance aujourd'hui dans une course particulièrement disputée. Le champagne, le champagne. Ah non, le champagne, c'est vrai. L'alcool est dangereux pour la santé, monsieur. Encore une coupe. Allez, une coupe. Bah. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils changent la coupe. Trop stylé. On est au Grand GP. Tout de Squeezie là. Bon, podium passe, ok. Bon, on a 500 par victoire, ça va. Hein. Donc là, prochain coup, on passe au niveau. Décidément, 3. À chaque course son histoire. Mais que diable nous réserve la suite? Pour le savoir, ah, soyez au rendez-vous secondes. Pour suivre la prochaine 4 minutes 51, épreuve de j'ai mis 4 secondes à l'autre. Hein. F-A word. F-1 word. Formule 1. Formula 1. La F1 tracker. Mais F1. F1. Tu prends la F1, tu la claques dans tes fesses. Oh, c'est gozo. Trophée sur les plus hautes marches. Sur les plus hautes marches. Sur les plus hautes marches, les plus hautes marches. Je sais pas si il fait quoi Turc là. Il est en train de jouer à Rocket League ou il fait quoi? Attends, 10 progrès. Alors, 10 progrès, c'est quoi ça les progrès?
Putain, je sais pas ce qu'il fait. Attendez. L'homme meurt. Ta-ta-tan. Attendez deux petites secondes, hein. Je vais essayer de voir si Didou il veut venir en vocal ou pas, ou il veut pas, je sais pas. Invité. Tokash, 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 tokash. Bon, du coup, là, à mon avis, ça va être quoi, là? On est où, là? Abu Dhabi! On est à Abu Dhabi! Abu Dhabi! Abu Dhabi! Je sais pas si Didou va venir. Pas sûr, hein, parce que s'il est sur Fortnite, à mon avis, il y a peut-être. Oula, c'est quoi ça? Oh non, commence pas à emmerder, toi, le PC, là, pour faire une mise à jour du PC. S'il te plaît. C'est pas le moment. Oh, il fait nuit! Oh putain, il fait nuit. Oh, bienvenue à vous! Au programme aujourd'hui, la suite du calendrier de F1 World. Qui allez-vous encourager aujourd'hui? Je suis en compagnie de Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve. On a 5 tours! Wow. T'as pas toi? Il est con lui. Oh le bâtard, mais... Oh l'enculé, il m'a porté sur un... Oh l'enfoiré. Salut ici, t'es bien. Je crois que j'aurai le chat là. Plein virage, faut pas que je regarde le chat. Quatrième. Ça va, ça va. Costaud le circuit là. Il faut à présent se concentrer sur le reste de la course. Ah l'autre il m'a fait une tête à queue, putain de connard. C'est Abu Dhabi. Sors-moi, je suis pas... Je suis tout prêt. Par contre, j'ai 5 tours. Hein. Je suis prêt, putain. Je suis prêt, si prêt, putain. Tu peux maintenant utiliser le DRS. DRS disponible. En plus, même pas besoin d'avoir. Wow.
pas loin, bordel de merde, là-haut. Je sais pas comment on active le DNS. Alors là, allez, troisième. Ouais, casse-toi! Jolie manœuvre, bien joué! Let's go! Allez, on les bouffe! Ah, par contre, ce virage-là, il m'énerve. Allez, let's go! Bon, meilleur temps. Mais je sais même pas si c'est bien ce que je fais en fait. Ah, l'autre m'a fait une tête à queue, ce fils de chien. On est rien au vol, 5 secondes de retard. Et c'est gagné! Wouh! Let's go! Yes! Ah, c'est pas gagné au début, hein? Putain! Ah oui, oui, mais quelle facilité! C'est le moins bien. Bien ah bah joué. Ouais, bon, let's go! Wouh! Ah, c'est mode barré, hein! Oh non, on déduit. Par contre, je sais pas ce qu'il fout, Didier. Bon, je pense qu'il est en train de jouer avec Simon, ou je sais pas. Hop, on quitte ça. Bah alors, Leslie, t'as regardé si tu pouvais jouer à F1 ou pas alors du coup? Yes, j'ai gagné. Yes. Je pense qu'on peut en grande partie attribuer ce résultat à son tempérament.
Il a réussi. Après, normalement, tu peux jouer avec le cloud. Alors que le reste du plateau montrait des signes de selon moi, je pense. Il a tiré le maximum de sa monoplace, optimisé sa stratégie et je dois reconnaître que cette course m'a épuisé. Ah, moi aussi, ça m'a épuisé, nom des dieux. Peut-être faire un tour sur Fortnite, les amis, là, nickel heure. Hein. Il est 11h. Ah, bah là, ouais, là. On a eu 500, donc normal. Voilà une bien belle victoire et donc yes. Une récompense tout aussi belle à l'arrivée. Mais qui montera sur la plus haute marche du podium la prochaine fois? Pour le savoir, ne manquez pas. Par contre, là, on avait 5 tours, là. Au lieu de 3 tours, on avait 5 tours. Je sais pas si t'es encore là, Delphine. Bon, let's go! Bon, là, on a gagné 2 gros trucs, là. On aura fait un tour sur Fortnite, là, on va se casser le cul, là. On va nous péter la darche, là. On va faire du ranked. On va voir ce que ça vaut. On va voir ce que ça vaut, le ranked. Bon, en tout cas, il y a des pouvoirs, donc en vrai, on verra. En tout cas, merci pour ceux qui ont regardé sur YouTube, ma chaîne YouTube. Merci beaucoup, merci pour les likes, merci pour les abonnements. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, du coup, on a 15 progrès. 150 de réglage. C'est quoi ça? Épreuve solo et multijoueur. Ah, je peux jouer multijoueur maintenant, c'est bon, j'ai fini mon truc. Ah, bah voilà. Donc là, on va dans le garage, parce que du coup, voilà. Oh, j'ai 3 nouveaux trucs. Alors. Attends, est-ce que c'est des trucs que j'ai pas? Ouais, j'ai déjà ça. C'est quoi ça? Geoffrey Lambert, direction l'écurie. Élément suivant. Ah là! D'accord. Pour pouvoir engager un membre d'écurie, tu dois lui fournir un contrat. Chaque contrat confère à ce membre d'écurie une modif bonus. Attention! Si tu remplaces un membre d'écurie ou son contrat. Je sais pas si c'est bien ce que je fais. Commence à être pas mal, hein. Je sais même pas combien j'ai, tiens, en fait. Échelon 3, mais j'ai pas ma voiture, en fait. J'ai pas le truc de ma voiture. Ah si. 944. Ah, ça commence à être pas mal, là. Attendez, je vais vérifier un truc. 944 qu'on est arrivé. Les sites ont... Tu joues à Fortnite? Attends, il parle de débloquer le recueil. Attends, c'est quoi ça? Donc là, maintenant, je peux jouer à objectif. Les objectifs sont des défis facultatifs que tu peux relever pour obtenir des récompenses supplémentaires. Débloquer le recueil. Pense à venir récupérer ce que tu as gagné. 15 tours. Ok. Bon, les amis, on va s'arrêter là-dessus. Je sais pas combien de temps que je stream, mais on verra. Ça doit faire 39 minutes, parfait pour une vidéo, nickel. Donc voilà les amis, on va s'arrêter là-dessus. Je vous dis à tout de suite pour du Fortnite. Allez, bisous.